délice et eh bien je suis excessivement contente comme d'habitude lorsque c'est comme ça que je vais vous donner une petite pépite car j'ai constaté là que mes cheveux ont besoin de soins protéinés et oui après euh, les vacances euh, voilà l'eau de mer et tout ça et eh bien à un moment donné et eh bien il faut faire un diagnostic de ses cheveux et aujourd'hui donc j'ai concocté une pure merveille, mais vraiment pour ta fibre tapilaire, afin que eh bien, tes cheveux soient en bonne santé, qu'ils puissent pousser, pousser bien évidemment merveilleusement. Et pousser, ceux qui ne me connaissent pas, toi là qui est en train de me regarder à l'instant, je sais que tu ne me connais pas, moi c'est Florentine! Ha! <laughs> Et bienvenue au délice de Florentine Ici, je partage avec toi des soins qui marchent pour la pousse et la repousse de tes cheveux. Pourquoi Parce que j'ai simplement souffert pendant 4 longues années d'allopé. Si j'avais des trous partout, je n'avais plus de cheveux là, je n'avais plus de cheveux à l'arrière et au jour d'aujourd'hui, mes cheveux repoussent grâce à un ingrédient, les clous de girofle. Je fais de multiples soins. Ici, il n'y a pas d'obsession de la longueur, hein, c'est d'abord la bonne santé de nos cheveux. Aimons nos cheveux et laissons-les pousser merveilleusement très bien. Eh bien, on y va pour la réalisation de notre petite pépite d'aujourd'hui. Mais avant cela, je t'invite à cliquer sur la petite cloche et puis t'abonner. Simplement, ça te permettra lorsque je publierai une petite vidéo, tac, tu l'auras. Alors, je suis tellement heureuse, vraiment, <laughs> de partager avec toi qui regarde cette vidéo euh, les bienfaits d'un soin protéiné. Il faut réaliser, hein, je vous le conseille, un soin protéiné, en fait, une fois par mois. Alors, j'aurais besoin, en fait, d'une belle feuille d'aloe vera, de mon huile euh, café euh, et euh, d'un mixeur, hein, tout simplement, et puis euh, d'un œuf et d'un avocat. Donc, euh, je commence premièrement à découper donc ma belle feuille d'aloe vera, de préférence bio. J'enlève toute la partie piquante hein, et puis bah, je, je vais euh, la découper. Les propriétés de l'aloe vera sont innombrables pour notre belle crinière. Ça, il faut l'intégrer euh, de manière euh, naturelle dans, votre, euh, dans vos routines. Et aujourd'hui, je réalise euh, simplement une petite routine comme ça. Euh, je vous montre en fait ma petite routine étant Donné que, euh, voilà, mes cheveux sont euh, souvent très secs. Donc, voilà, l'aloe vera est un ingrédient vraiment à intégrer dans tes soins de manière, euh, je vais dire, de manière régulière. Hein. Tu peux le faire même tous les, euh, toutes les semaines, un hein, soin à l'aloe vera. Euh, euh, ce serait vraiment super. et eh bien, je mets mon aloe vera comme ça, donc, dans un. Dans un récipient, je rince avec de l'eau pour enlever en fait de la lantoïne qui est une substance toxique de l'aloe vera. Et euh, je vais mettre dans un, dans un mixeur afin de pouvoir écraser donc euh, ma belle feuille. Il faut savoir que les propriétés en fait de l'aloe vera sont, euh, comme je vous disais, innombrables, idéales en fait pour tout, tout, tout type de cheveux, pardon. Et surtout pour des cheveux secs et des cheveux abîmés, fatigués. Euh, ça a un effet réparateur fortifiant, nourrissant et euh, bien évidemment euh, ça apporte aussi euh, une belle hydratation. Donc vous avez vu mon avocat là Est-ce que vous avez vu à quoi ressemble mon avocat J'ai tellement envie de manger <laughs> l'huile d'avocat ou l'avocat pur comme ça en fruit pour les cheveux et a également des bienfaits, des bienfaits vraiment. Oh là 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 Utilise l'avocat s'il te plaît. Utilise l'avocat. Et euh, vraiment, ça permet en fait d'avoir euh, des cheveux beaucoup plus... Euh, pour ceux qui ont des cheveux, par exemple, des cheveux ternes, eh bien, ça revitalise en fait tes cheveux et ça donne également, euh, voilà, donc, euh, même, ça nourrit même les pointes. Donc là, je rajoute donc un œuf. L'œuf est indispensable en fait pour des soins protéinés ça je vous le dis alors j'écrase tout ceci dans mon mixeur hein, et euh, par rapport aux oeufs donc euh, sachez que Lorsque vous utilisez les œufs en fait dans votre préparation, euh, l'œuf contient en fait des vitamines et des minéraux essentiels aux cheveux. La vitamine A, la vitamine E, la vitamine E, du fer et du zinc. Donc, euh, et ça permet comme ça d'avoir une très très belle chevelure. Alors. Je, j'ai écrasé donc mes ingrédients et puis je vais les filtrer dans un, dans un foulard bien propre pour ne pas avoir les résidus de la vera sur mes cheveux. <laughs> eh bien, si tu réalises souvent des soins avec euh, la vera, viens me dire comment cela se passe. Alors, j'obtiens cette gelée mixture nourrissante, réparatrice, fortifiante et puis, euh, avec ça nous permettra d'avoir des cheveux longs, des cheveux forts et des cheveux en parfaite santé. Donc la Louis vera aide vraiment avec l'avocat. Eh bien, et les oeufs, c'est un soin complet pour tes cheveux. Je vous rajoute donc à la fin, tu t'imagines qu'à la fin, comme ça, j'ai mon huile au clou de girofle, café, euh, 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 nigel. Donc là, en fait, je vous montre, en fait, ça, ce sont des graines de nigel. Euh, pas besoin, en fait, de rajouter même, euh, voilà, les huiles essentielles. L'huile de nigel est complète. Vraiment Et je vais mettre comme ça une cuillère à soupe ou vous pouvez mettre aussi une huile euh, végétale comme ça de votre choix. Ça peut être l'huile d'olive, ça peut être l'huile de tournesol. Eh bien, moi, j'ai choisi donc mon huile au clou de girofle, café, donc euh, nigel que je rajoute donc dans ma préparation. Une belle petite cuillère, elle est largement suffisante. Et j'obtiens donc cette mixture onctueuse. Juste à côté là, eh bien, je vous montre en fait l'huile de nigel que j'ai réalisée Récemment, allez-y regarder, et eh bien cette cuille est vraiment complète pour tes cheveux. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, euh, dans l'Égypte antique, en fait, pour ceux qui utilisaient en fait le Nigel, c'était recommandé. Et les pharaons disaient d'ailleurs que euh, le Nigel, en fait, euh, permet permet en fait de soigner toutes les maladies à l'exception de la mort bien évidemment. Alors si tu as des cheveux ternes, révitalise tes cheveux avec cette huile. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y le faire. Alors, pour donc l'application, comme vous avez bien, euh, vous l'avez si bien constaté, c'est que je vais d'abord laver mes cheveux. Car à force de mettre comme ça des huiles et des crèmes sur mes cheveux, il y a un dépôt sur mon cuir chevelure. Et c'est très important comme ça à un moment donné de laver vraiment ton cuir chevelure. Et je le lave en fait avec mon shampoing au savon noir café. Donc une fois que c'est propre, je viens donc appliquer mon masque je viens appliquer mon soin protéiné profond sur mes cheveux à la base c'est-à-dire à la racine pour apporter comme ça euh, euh, à mes cheveux non seulement la force la vitalité et la facilité de croissance car Lorsque vous faites en fait vos soins, il faut diagnostiquer vos cheveux à chacune des étapes. Si vous constatez que vos cheveux ont besoin de plus d'hydratation, eh bien, vas-y, réaliser un soin hydratant. D'ailleurs, je recommande que vous fassiez en fait un soin protéiné par mois, euh, le mois 4 semaines. Donc, un soin protéiné, un soin fortifiant, un soin hydratant et un soin, en fait, euh, voilà, euh, euh, revitalisant tout simplement. Donc, vous, diagnostiquez vos cheveux. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Chaque cheveu est différent. Les cheveux sont en fait comme de la, comme l'ADN. Hein? Les cheveux sont comme, par exemple, tes empreintes. Donc, chaque cheveu est différent. Ne compare pas tes cheveux. Si tu veux vraiment faire pousser tes cheveux, eh bien, ne les compare pas aux cheveux de quelqu'un d'autre. Admirez ce que la louée verra faire mes cheveux. <laughs> ils sont doux. Et je n'ai pas de casse. Regardez ce que j'ai obtenu en termes de casse. Il n'y a rien. Donc, je suis déjà hyper, hyper satisfaite. Mon cœur est réjoui de savoir que ça entraîne non seulement des ondulations, ça y gratte, ça fortifie, et en plus de cela, ça rend des cheveux brillants et forts et revitaliser, ça vient réparer ta fibre capillaire. Donc, alors je prends après mon sachet. Je vous dis en fait que <laughs> mon inséparable sachet, je mets sur mes cheveux. Je prends dans mon foulard en satin. Je vais y rester comme ça pendant 45 bonnes minutes. Donc, et après, je vais simplement laver avec de l'eau. Et euh, voilà, euh, c'est un soin que tu réalises en fait. C'est un peu comme un démêlant, hein, un, un living in. Il n'y a pas besoin de faire un shampoing après. Donc, le shampoing se fait avant voilà et euh, avant même d'appliquer mon shampoing j'ai d'abord fait un bon d'huile au café donc alors et eh bien dis moi tu as adoré cette recette est ce que tes cheveux ont apprécié cette recette il faut impérativement que tu me le dises car j'aime vous lire j'aime lire vos commentaires et lorsque je réponds et eh bien je me sens tellement bien <laughs> Et eh bien, c'est vraiment extraordinaire. Eh bien, mes cheveux ont vraiment adoré. Et je voudrais vraiment vous dire une petite, une petite astuce lorsque vous réalisez ce type de coiffure. Eh bien, ne serrez surtout pas vos tempes. Non, faites-le avec délicatesse. C'est très joli, mais évitez de serrer. Eh bien... Après euh, le soin, après, vous pouvez faire en fait une coiffure protectrice pour la semaine. Et en fin de semaine, vous réalisez à nouveau votre soin. Eh bien, j'ai adoré ces soins. Et je te dis à la prochaine. Abonne-toi et let's go. <laughs> je vous love. Hein? <laughs> à bientôt. <laughs>